Il n'y a pas tout le monde dans la catégorie finance, économie, j'entreprends et je réalise mon business plan. Quelles sont les définitions importantes à retenir? Alors, parmi les définitions importantes à retenir, moi, dans mon glossaire de la lettre P, j'ai notifié le potentiel de développement d'une entreprise ou potentiel accessible. Voilà. Alors, moi, j'ai mis que c'était un potentiel qui convient. D'identifier, je dirais, notamment chez les petits clients. Donc je vous laisse aller voir pourquoi, mais ça c'est important aussi à mon sens. Voilà, le potentiel accessible ou encore le potentiel de développement d'une entreprise. Puis après, j'ai listé aussi dans mon glossaire, par exemple, le principe de Peter. Alors ce principe de Peter, ça m'avait l'air, il m'avait l'air important de le comprendre. Pourquoi? Parce que il y a un phénomène, le principe de Peter, il dit que tout individu, en fait, il devrait tendre vers ce qu'on appelle l'incompétence. En fait, de façon inconsciente, il croit s'améliorer, mais en fait, il ne s'améliore pas. Et bien au contraire, il stagne et il plafonne. Donc ça sous-entend en fait des limites, qu'on va dire, humaines, qui ne sont pas prévisibles. Et qu'on ne pourra pas très clairement définir. Donc en fait, pour pallier ceci, c'est important en termes de stratégie, de très très bien s'entourer et de bien connaître les compétences et les expertises des personnes avec qui on va travailler pour justement ne pas stagner à ces seuils et ces paliers. Allez, maintenant on va s'intéresser à un autre élément, c'est la provision des créances. Alors qu'est-ce que j'appelle provision des créances ou qu'est-ce qui est appelé provision des créances? En fait, c'est les immobilisations, les stocks, les créances ou en fait des éléments qui devront être évalués à leur juste valeur. Voilà. C'est pour cette raison notamment que les immobilisations, souvent, elles sont dépréciées chaque année avec le principe d'amortissement. En fait, le bilan que vous effectuerez, ça doit être l'image parfaite de la situation des actifs de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on appelle la provision des créances. Puis ensuite, il y a un terme important aussi pour moi, c'est la provision sur perte. C'est les pertes sur provision, autant pour moi. Donc ça, c'est dans le cas de figure où, par exemple, s'il y a une liquidation judiciaire, si voilà, il y a des difficultés financières qui sont insurmontables, on va dire, et que il n'y a pas d'indemnisation possible. Donc ça veut dire que vous allez être obligé, en termes de stratégie, de faire basculer en fait la créance qui était perte en profit. Voilà. Et ça, le problème, c'est que ça peut être douteux, on va dire. Voilà. Donc il faut faire attention à tout ça aussi. Allez, maintenant, si on s'intéresse à qu'est-ce qu'on appelle les provisions et les dépréciations. Alors la dépréciation, c'est quoi? Je crois que vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle une perte de valeur. Voilà. C'est notamment ce qu'on peut connaître sur les monnaies. J'en parle dans de nombreux castes. Nos monnaies traditionnelles subissent beaucoup de dépréciation, ou pas. Mais voilà, c'est très très volatile. Donc si on regarde un petit peu, donc ça c'est pour l'économie, mais si on regarde un peu de plus près en économie, on va dire un peu plus générale, la dépréciation en fait, ce serait plus en fait une moins-value de l'élément d'actif. Voilà. Et il ne faut pas confondre tout ce qui est dépréciation avec amortissement. Pourquoi? Parce que ça va correspondre à la consommation des avantages en fait économiques attendus d'un actif. Voilà. Cette consommation, elle est potentiellement irréversible et elle va être liée au temps, à l'utilisation, l'usure, l'obsolescence, etc., etc. C'est souvent le cas de figure pour le matériel informatique. Donc, il ne faut pas confondre dépréciation et provision. En fait, la provision, c'est une sorte d'obligation envers des tiers. Donc ça, on va plutôt le mettre au passif du bilan. Alors que la dépréciation, elle, par sa nature ou son objet, elle va être plutôt évaluée sous forme d'approximation suffisante. Voilà. Donc en fait, la provision, je le répète, c'est la diminution de la valeur d'un actif. Et on va voir que cet amortissement de valeur ou cette diminution de la valeur, en fait, elle n'est pas réversible. Alors, qu'est-ce que ça va concerner maintenant, les provisions et les dépréciations? Donc, ça va par exemple concerner les créances clients, les stocks, les titres, les immobilisations non amortissables. Donc, ça, c'est ce qu'on. Le bail, le fonds de commerce, le terrain. Tac, tac, tac. Donc, on va avoir les charges d'exploitation.
Les charges financières, les charges exceptionnelles qui vont pouvoir être comptabilisées. On va plutôt aussi avoir les dépréciations des immobilisations corporelles. Donc ça, c'est ce que vous allez les mettre, par exemple, au crédit des comptes. Voilà, donc le crédit des comptes, voilà, je ne vais pas vous compliquer les choses. Etc. Etc. Voilà, donc il existe, vous l'avez compris, des provisions donc pour les risques et charges. Et c'est réglementé et codifié. Par exemple, au débit des comptes et sous-comptes, en 681, on va trouver la dotation aux amortissements et aux provisions dans charges d'exploitation. Le 687, ce sera par exemple la dotation aux amortissements et aux provisions pour les charges exceptionnelles. Et il y a une codification pour chaque dotation, voilà, ou provision. Par exemple, le 590, ce sera la provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement. Donc voilà, il y a une certaine catégorisation, je vais dire. Allez, maintenant, je vous invite à aller venir avec moi et essayer de comprendre un peu tout ce qui est relatif à la lettre R. R, comme Robert, Roger, comme...